est devenu fou avec le temps. Ne peut plus vivre en communauté, personne ne peut supporter son tempérament. Comme si son cœur on lui avait ôté, à la moindre contrariété il déraille. Tous ses proches finissent par être déçus, comme si sa haine était devenue viscérale. Chez lui le yang a clairement pris le dessus. Quant à lui c'est un problème plus profond, presque aussi profond que son estomac. Quand les gens le voient manger se retrouve estomac, et il a fini 6 fois dans le coma. Place la nourriture au-dessus de tout, il mourra d'indigestion, il n'a plus de doute. Pour payer son loyer il est dans la galère, vu que c'est dans les fast-food qui niquent tout son salaire. Elle côtoie des endroits sombres où l'on pratique des immoralités. Les déviants sont devenus des banalités. Si c'est classique c'est plus du sexe de qualité. Elle repousse les limites sans cesse, les soirées SM sont son quotidien. L'ocytocine agit comme la cesse apportée par des camions boliviens. Bienvenue dans le monde et toutes ses facettes, ça date de bien avant le temps des cassettes. Sombre comme les trajets qu'il y a sur la A7. Les péchés viennent pas par un mais bien à 7. Il faut être fort si tu veux faire face à cette vie. C'est dur comme de perdre en 2-7. Et vu que ça je l'ai bien capté d'eux, puis j'ai pris Dieu pour me protéger de 7. Jette un œil sur le chapiteau. C'est la pire des ripoux. Une nana si avare à rendre altruiste le vieux Picsou. Elle passe son temps à accumuler des richesses avec lesquelles on ne l'enterrera même pas. Mais quelle tristesse. Enfin bref, passons au cas suivant. Allongé sur le divan, il prend 10 ans sans avoir rien foutu, car tout est fatigant. C'est intrigant, plus sale tumeur dans son corps. Nouveaux habitants, sa pince c'est son trident. S'il la perd, il passera l'arme à gauche, c'est évident. Lui il est atteint, rumine sa frustration du soir au matin. Tu réussis, t'es un franc, et si t'es belle, t'es qu'une sale catin. De la sagesse, il s'est écarté, pense méritait de faire un carton. Pourtant aucun de ses projets ne décolle depuis l'époque des cartables. Je finirai par celle-ci, c'est un euphémisme d'affirmer qu'elle s'aime. Je ne pourrais même pas être plus concis, j'ai vu plus de photos que je ne l'ai vu elle-même. Considère les autres comme de la merde, et encore si c'est sa mère ça passerait d'abord. Elle a dit que le jour où on l'enterre, si c'est pas un cimetière vide elle sera pas d'accord. Bienvenue dans le monde et toutes ses facettes, ça date de bien avant le temps des cassettes. Sombre comme les trajets qu'il y a sur la A7. Les péchés viennent pas par un mais bien à 7. Il faut être fort si tu veux faire face à cette vie. C'est dur comme de perdre en 2-7. Et vu que ça je l'ai bien capté d'eux, puis j'ai pris Dieu pour me protéger de 7. Jette un œil sous le chapiteau. Avarice, paresse, envie, orgueil, péché, colère, gourmandise, luxure, avarice, paresse,